C'était une promesse du gouvernement sierra-léonais, c'est désormais officiel. L'Assemblée nationale a voté ce vendredi l'abolition de la peine de mort, qui sera remplacée par une peine d'emprisonnement à perpétuité ou à un minimum de 30 ans. Dans les faits, la peine capitale n'est plus appliquée dans le pays depuis 1998 et les sentences étaient généralement commuées en peine de réclusion à perpétuité. Mais désormais, la décision est inscrite dans la loi. Tous ceux qui sont en faveur de cette loi, dites oui. Ceux qui sont contre, dites non. Oui, d'emporte. C'est maintenant le président Julius Maada Bio qui doit promulguer le texte. Ce vote intervient alors que la peine capitale est de plus en plus rare en Afrique. Le Malawi l'a abolie en avril et le Tchad l'année dernière. Selon Amnesty International, fin 2020, il y avait 144 pays abolitionnistes en droit ou de facto, c'est-à-dire n'ayant pas procédé à des exécutions au cours des 10 dernières années, soit près de 75% des États dans le monde.